Quatuor Il Divo a offert un concert privé, je vous le disais, à ses fans belges, à RTLOS. Un cadeau qui marque la sortie de leur tout dernier album, compilation de leurs plus grands succès. En 8 ans, la carrière de Il Divo, eh bien, ils ont déjà écoulé quelques 26 millions d'albums à travers le monde. Jean-Claude Gerlache et Julien Raouet ont assisté à la soirée. David, l'Américain, Carlos, l'Espagnol, Sébastien, le Français et Ours, le Suisse, Il Divo est au complet. Une divine soirée commence pour les spectateurs fans du Quatuor aux 160 disques d'or et de platine. Moi, j'aime bien le concept de la musique, à la fois de marier la variété, le classique. Ils sont beaux. Leur groupe, la musique, ce qu'il en ressort, ça c'est waouh. Lancé comme un opéra boys band il y a 9 ans, les Polyglottes se sont produits sur les plus grandes scènes en donnant des titres de noblesse lyrique à des chansons populaires. C'est vrai qu'on n'est pas juste des chanteurs dans un costume, c'est plus que ça. On est des gens qui sont passionnés par la musique, on veut faire toujours ce qu'il y a de mieux. Adoubé par Placido Domingo, le groupe a reçu l'an dernier en Angleterre le Classic Brit Award de l'artiste de la décennie. C'est vrai qu'on n'est pas toujours aimé des médias ou du succès qu'on a, on entend toujours pas mal de choses. Donc là, c'était un prix qui nous était donné par les médias en Angleterre. Et c'est vrai que c'est là où tout a commencé pour nous. Ce concert exclusif d'Il Divo sera diffusé sur Bell RTL le 25 décembre à 18h30.